Bon les amis, j'ai une super idée. Je vais faire une surprise à Nat, je vais l'amener dans un endroit. Elle n'est pas au courant. Depuis tout à l'heure, il dit je t'emmène quelque part, je ne sais pas où c'est. Alors vous allez voir, en fait j'ai trouvé une super coupe de cheveux. Attendez. J'ai trouvé une nouvelle coupe de cheveux pour Nat, je suis sûr que ça lui irait trop bien, mais ça va lui changer le look, c'est sûr. Non mais je ne sais pas du tout. Mais je suis sûr que ça me tirait trop bien. Impossible. De toute façon, j'ai pris rendez-vous, on y va là. Coiffeur, je valide parce que j'ai envie de faire quelque chose, mais toi tu me changes ma coupe de cheveux hors de question. Fais-moi confiance. Ah non, je ne te fais pas confiance. Ah, j'ai pris rendez-vous, de toute façon, on est obligé d'y aller. C'est là, allez. Alors, on vient d'arriver dans le salon de coiffure. Autant vous dire que je n'ai pas encore vu le coiffeur, là je vais le voir maintenant, je vais discuter avec lui, voir ce qu'il peut me faire. Je pense qu'il va me faire un petit dégradé, quelque chose d'un peu sympa. Faire ce que je vais lui demander surtout. Non, mais fais-moi confiance, c'est que j'ai du goût quand même, à un moment, c'est bon. Donc vous laisseriez votre tête, vous, à votre homme qui choisit votre tête? Je te fais confiance, moi, ok, ben pareil. Ouais, mais tout sera pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Faut que tu me plaises à moi, donc je vais faire quelque chose qui me plaît. Non, il faut que je me plaise à moi d'abord et après à toi. De toute façon, c'est prévu, c'est fait, t'y es, c'est trop tard. Bon, ben les amis, on va suivre. Allez, je vais voir lui. On va suivre l'évolution. À votre avis, je fais confiance ou je fais pas confiance? Ouais, alors moi, je pensais lui faire ça, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Malade, je crois que Nat est bonne dessus. Ouais, alors moi je pensais lui faire ça, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Malade, je crois que Nat est bonne dessus. Non, non, je te jure, ça va lui changer le teint, tout, le visage. C'est un super look. Non, mais fais-moi confiance. Je sais pas, on va voir. Non, non, mais je prends le risque, t'inquiète. Ok, vas-y, allez, je vais essayer. Allez. Tu vas voir un petit peu. Tu vas être magnifique, bébé. Je t'ai préparé quelque chose. Non, mais sérieux, tu vas revivre, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je vis très bien, moi, en fait. Non, non, mais là, encore mieux. Encore ouais, mieux. C'est là que tu vas voir que, voilà, je suis rentré dans ta vie. Le changement, c'est maintenant, bébé. Bien sûr. Non, mais tu vas kiffer. Tu vas m'aimer encore plus. Ouais. Fais-moi un bisou maintenant, au cas où tu n'en fasses plus après. Franchement, j'aime trop. T'es trop belle. Attends, vas-y, attends. En arrière? T'es magnifique, bébé, t'es magnifique. Ça te va trop bien, bébé, j'aime trop. Franchement, tu vas adorer. Pour l'instant, le miroir il est caché, mais tu vas adorer. Quoi? Non, mais j'ai les yeux fermés depuis tout à l'heure, je t'ai déjà jeté parce que. Non, non, mais ça va trop bien. Ce qu'il a trafiqué, je ne veux même pas regarder là. Ça va trop bien. Ah, mais ça va te plaire grave, bébé. Je pense que c'est une cause de divorce. Non, mais ça va trop te plaire. Pour l'instant, tu vois pas, je vais t'enlever le drap sur le miroir, tu vas voir. Magnifique, j'aime trop. Franchement, Carlos, t'as sûr de ouf. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est ce que je voulais. Génial. C'est génial, ça va trop te plaire, mon corps, je t'assure. Il est trop fort, Carlos, tu vas voir. On va t'enlever la serviette sur le miroir. Tu vas adorer. Moi, j'aime trop, c'est exactement ce que je voulais. Grave. Non, mais c'est magnifique. Allez. Franchement, j'aime trop, t'es trop belle. Attends, ferme les yeux. Ouvre les yeux, attention. J'ai peur. Non, mais c'est trop beau! Lève-toi! Mais c'est magnifique, bébé! Non, mais c'est pas drôle, en fait. Mais quoi? Mais c'est trop beau! Carlos! Non, mais t'es trop belle! C'est horrible! Mais attends, mais. Carlos! Toi! Pourquoi c'est pareil? Je me retarde en rouge, mais ça va pas du tout. Mais ça repousse les cheveux! C'est une blague, Carlos! Trop belle! Ça repousse les cheveux, bébé! Ça te fait ressentir ton regard! Mais grave! Allez, tu m'as mis sur lui! J'ai une nouvelle femme! Mais c'est pas normal! Regarde, Non, mais t'es magnifique, tu comprends rien à la mode! Ouais, je vais faire un bonbon maintenant. Carlos, tu me fais la même chose sur lui en blond, s'il te plaît! Mets tes boucles d'oreilles, t'es belle! J'ai une nouvelle femme comme ça! Ouais, mais t'as pas changé directement! Elle est contente, regarde, ça se voit en plus! Elle est contente, bébé, mais ça te va trop bien, t'es magnifique! Vas-y, regarde-moi, viens! Tu peux prendre ta main? Non, mais de toute façon, les cheveux ça repousse en plus, ça va, tu voulais te les couper. C'est
trop belle. Non, si t'es trop belle. Oh mon bébé. Bon, vous en pensez quoi? C'est mieux en blonde ou en brune? Toi, je suis sûre que tu préfères en blonde. J'adore. Magnifique. Non mais t'es sérieux? Là, on a tout là. Pas du tout. Je t'aime. J'ai une nouvelle femme, ça y est. En fait, il veut juste changer de femme, en fait. On a tout compris. Nata blonde. Aïe. C'est la vengeance. Crève à l'œil. Espèce de folle. Ça te va trop bien, bébé. Tu m'aimes ici. Alors effectivement, vous l'avez compris, pour la plupart, c'était une perruque. En blonde, j'ai fait le test. C'est pas mon délire, j'aime pas du tout. Je pense que je me ferai jamais blonde, comme je l'ai déjà dit. Je me préfère nettement, nettement en brune. J'ai un petit peu coupé mes cheveux, vous voyez. J'ai des petits reflets au burn. On m'a mis des petits reflets au burn. C'est très bien, ça me convient très bien. Au soleil, ça fait des... une jolie couleur. Je suis une vraie brune, je suis typée italienne et je pense que le blond, ça va à certaines carnations de peau. Moi, je suis brune, je suis mate de peau et vraiment le blond, je peux pas et je m'y fais pas. Donc, j'entends bien vos commentaires, fais-toi plus clair, fais-toi blonde, fais-toi châtain. Je l'entends bien, mais vous savez, quand on a une habitude, quand on a un style, c'est très très difficile d'en changer. Voilà, pour l'instant, je reste brune quoi qu'il en soit. Donc, merci à tous ceux qui essayent de me conseiller. Ceux qui essayent de me faire changer, mais non, je ne changerai pas. Brune, team brune, allez, je vous fais des bisous. Alors, team blonde ou team brune? Vous avez été tellement nombreux, mais quand je dis tellement nombreux, c'est que tous les jours, je reçois des messages. Écarcisse-toi les cheveux, essaye en blonde, coupe-toi les cheveux. Que du coup, Gabano, il a pété un câble, il m'a pris rendez-vous chez un coiffeur, il m'a dit, fais-moi confiance, je te réserve une surprise. Donc du coup, je spoil un petit peu le truc. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le profil Gabano officiel. Comme ça, vous allez voir tout le déroulement de l'histoire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a mijoté? Avec qui il a comploté? Le coiffeur qui m'a fait ça. Et puis, vous allez me voir surtout sans la casquette, etc. Quand il me coupe les cheveux, quand il me coiffe. Ma réaction. Parce que quand tu passes de brune à blonde en quelques secondes, on va dire, même si ça a pris 2 heures, en quelques secondes, ben ça fait tout drôle. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Tous ceux qui ont dit change de couleur de cheveux, coupe-toi les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, team brune ou team blonde? Je compte sur vous. Alors, je suis très très étonnée de toutes les réponses que j'ai reçues. Brune, blonde, blonde, brune. Je crois que c'est 50-50 en fait. Il y a 50% des gens qui me préfèrent en blonde, 50% des gens qui me préfèrent en brune. La majorité des gens me disent que en blonde, ça me rajeunit. Donc, ça veut dire comme... c'est vrai que vous êtes souvent à me dire que le brun, ça vieillit, etc., etc. Maintenant, pour tout vous dire, je reste team brune, mais sans hésiter. Moi, en blonde, je trouve ça affreux. Je supporte pas, vraiment. Je trouve ça très, très moche. Donc, j'ai bien fait de tester. Je sais que je ne serai jamais blonde. Voilà, voilà. Donc... autant vous dire que, effectivement, vous l'avez tous compris, il s'agit d'une perruque. Voilà, j'ai attaché mes cheveux. On va détacher tout ça. Hop là. Alors, effectivement, j'ai coupé mes cheveux. Bon, là, ils sont un petit peu... ils sont un peu bidons parce que j'avais tout fait. Mais voilà, j'ai coupé mes cheveux. Il les a soignés. Bon, il y a du vent, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je reste brune, les amis, je ne changerai pas, je ne deviendrai pas blonde. Éventuellement, je ferai quelques mèches, et encore, parce que vous ne le voyez pas ici, mais j'ai des légers reflets chocolat dans mes cheveux. Et large, large, bon là j'ai une coupe de naze, hein, parce que j'ai les cheveux tout aplatis avec la perruque. Mais je reste brune sans hésiter. Voilà, en tout cas, merci à tous pour ce que vous avez dit. Pour la plupart, vous avez été adorables. Et puis, tous les petits haters qui ont critiqué comme d'habitude, je vous embrasse. Bisous.